part à la retraite. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on boit? Un verre pour ma filleule. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue? On ne bouge pas. Faut qu'on sorte d'ici. Stop! Désolé. Elena! Le professeur Jones. Trouvez-le. Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite? Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. À droite! Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe. Fais le lampadaire, Indiana Jones! Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou! J'ai pris 9 balles! Dont une fois par ton père! Ah! Je suis désolé! Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie. Fifi, peux nous ramener des bières, s'il te plaît? Eh, hey, je suis pas ta bonne, hein, t'as des jambes. Oh, Fifi, lâche ta claque ou quoi? Garde-moi là, celle-là. Pourquoi t'écris pas pute directement sur ton front? Mais qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu m'agresses? Attends, maman, mais tu peux pas t'habiller comme tout le monde? Je descends les poubelles, je vais pas au bal. Ah, oh, salut. On part en vacances, on s'en va, là. Mais tiens, c'est un verre à ta copine. C'est bon, j'ai rien cassé, j'ai rien volé, y'a qu'à oublier ça. C'est toi qui bois de l'accro ou... T'es où toi en ce moment? Je trouvais un petit boulot. Ah ouais? Tiens, salut. Ça marche pour toi au collège? Dès que je suis en cours, j'ai envie d'être ailleurs. Où ça, par exemple? Je sais pas, n'importe où. C'était pas bien ta soirée? Il y a des amis qu'on trouve changés, on le regrette un peu. Et d'autres qui sont restés les mêmes, c'est pas forcément mieux en fait. Bien. Je suis une vraie bille, mais tu peux pas t'en rendre compte. Si jamais je viens à Paris, je pourrais venir te voir. Mais t'as 15 ans, Sophie, rien que de le dire, ça me paraît clair. T'as de la chance d'avoir un copain comme ça. Après 30 ans dans l'enseignement, Poutifard, gros tocard, gros lard, ringard, Poutifard, gros trouillard, Robert Poutifard a bien mérité sa retraite. Ses élèves ont grandi, mais il n'a pas oublié les pires d'entre eux. Et il va leur donner une bonne leçon. Aidé par sa complice machiavélique. C'est qui ta prochaine cible? Anthony Lequin, très peu de neurones. Des jumelles, deux têtes, mais un seul cerveau. Audrey. Surtout une belle voix de casserole, hein. Je veux qu'elle souffre autant que moi, même pire. Souris, Anthony. Tant que tu peux encore sourire. On va enfin passer aux choses sérieuses. Oui, non, mais je sais que tu es un fils de tueur. Mario, c'est ça? Roberto. Rigole quand tu peux encore. Tu vas morfler. Qu'est-ce qui se passe? Je vais flinguer sa carrière. Ah oui, voilà. But!
Les vengeances de Maître Poutifard. Tu comptes te venger comment cette fois? Bon, écoute. Alors j'avais pensé. Bah c'est nul. Pardon? Là, Samira, c'est pas ton fils là? Chouma! C'est quoi cette vidéo que vous avez fait avec les garçons là? Un clip fait polémique, des images qui ont choqué jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Avec la plainte du maire, ils vont venir pour nous enlever nos gosses. On n'a plus discuté avec eux, on a tout essayé. Si on n'arrive pas à parler à nos enfants et qu'ils n'écoutent que du rap, alors on va leur faire du rap. Ah! Wesh, wesh, y'a! Il faut dire sale. Tous les petits disent sale, tout le temps ils disent sale. Ta chambre sale! Ça dégoûte! Non, non, non. Je peux demander à ma nièce? Je sais, vous êtes des darons et tout, hein. Mais la tête de Wam, ça va changer. Je vais faire de vous des vraies guerrières, des grosses folles, des grosses... Eh, hey, ta bouche, hey, ta tante, là. Pardon. C'est bon, je ferai plus compliment. Je te démasque un de sec, comme dans la ligue. C'est vos... On les connaît pas. Depuis quand une maman, ça fait du rap? Vos fils font du rap, donc pour les en empêcher, vous faites du rap. Dozingo Eke, le Renoir sucré, le Renoir chouquette. Quand j'arrive, c'est pour débusquer les talents. Yeah, come on, Pharrell, it's time to go. Yeah, come on, à plus tard. Je vais faire de vous des stars, je vais vous monter en l'air. Franchement, ça flingue de fou ce que vous faites, hein. Ah, c'est tout, c'est pour nous qu'elles font ça. Vous trouvez un blast? Hexagone. Oui, mon fils, il dit toujours hexagone, je veux faire hexagone. Octogone. Voilà, octogone, c'est ça.